Bonjour, bonjour à tous, ici Faro et Sacus pour le dernier épisode de la soirée. On se retrouve sur, j'allais dire Vampire Masquerade, Saints Row 3, Remastered. These emotions, what you got for me? The morning stars stare, a pain in my ass. Why don't we just drop everyone we see? Not much of a plan, but it could work. Shit, didn't think you was gone for it. Rather they didn't get comfortable. I mean, wait, shit, one second, Z. Listen carefully. There's a boat pulling in soon with a cargo container full of girls. The Morningstar's new merchandise. I send you the details, you hit the boat. Sweetie, I don't know who the hell this is, but... Viola DeWinter. Really? Well, as much as I value career advice from the slut that killed my friend... The intel's good. Do whatever you want with it. Bon, je pense qu'on pourrait prendre un truc aérien pour le coup. Mais écoute, on a la voiture la plus rapide du jeu, donc j'aurais pu dire, ça devrait aller. Mais non. De saucisse. Allez, oh putain. Bon, pas d'accord. Police. Ah putain, ça m'énerve. Tu vas au milieu et il prend dedans. Connard, la priorité. Ah oui, mais non, mais les gars, non. Ah, j'ai oublié de te dire ce que c'est la SF. Bon, je joue au niveau de la physique, mais... Hein? Oh! C'est parti en couille avec le truc, j'ai pas compris. Mais non! Ah ouais. Lot of pussy on that thing. And once it's ours, the Morningstar sex operation is done. How you gonna move all the bitches? Just let me worry about that. Now let's go. I want to meet my new employees. Des cons. C'est moi le mendiant, il a regardé à l'envers. Oui, il les a regardés à l'envers. Ouais. Allez, Faro. Move your ass. On doit aller où? J'ai loupé l'entrée. J'ai encore loupé l'entrée. Boys in the house. I'm just that awesome. Good. This will help. Messed up, they have. Yeah,
looking for. What's all the kinky shit? Je veux pas savoir. Won't you please let us out? No one survives a fight with me. Thank you for freeing me. Go to him and stay close! Je suis de souvenir, il y aura un choix à la fin de cette mission. We have to be getting past another big guy. Oh, mais comment est-ce que tu passes très mal? Oh yeah. De toute façon, vu que c'est ta partie, à toi de voir ce que tu vas faire comme choix à la fin. Ah ouais? They're bringing in a lot of boxes. It's like my freshman dorm. C'est comme ma chambre. You better load these bitches up before your boy gets here. Listen up, ladies. To get off this ship, you must be getting in that box. I've been in there so long already. One day, I'll be free. They're coming for the boat. I can hear them. They got some big firepower laying on those platforms on the side. Vas-y, va en premier parce que là. Ils viennent comment les assaillants? Oh yeah! Mais merde! Qu'est-ce qui se passe? Il y a où des réserves de mines là? Ça commence à être une limite, limite là. Ah. Les girls à la sulfateuse, mon gars. Ça va? C'est bien là-bas? Bon, bah écoutez les mecs. Let's load these holes up there and get the hell out of here. I think we've been set up. We walked right into an ambush. Morning Star always protect their shipment. It ain't nothing new. Like this? There is a small army on this boat. Like I always say, Bush is big business in this town. Toi aussi t'as plus d'endu. Laissez la confrérie de l'acier agir. On est sérieux? On est sérieux. Ok. Non mais la pauvre nana dans le bateau. Pas dans le bateau. Dans le conteneur. Ah, t'arrives à voir quelque chose? Je pense que c'est une de ces prostituées qui se convertit en même temps. C'est pas déconnant pour elle, hein. Surtout celle qui se juste prend plus de bon, au moins, hein, au moins, on va pas se plaindre, elle tient bien.
Non, je suis mort, il faut que tu failles. Un autographe, tu veux dire? Alors non, ça c'est le... Je sais pas si c'est ici. Avec la porte qui retombe dans la tronche et elle est mal barrée. Mais elle tient bien, hein. You have something that belongs to me. How did you get this number? Who are you? Someone who's willing to bargain. Bring the girls back to the Morningstar and I'll pay you top dollar ahead. If the money is good, then perhaps I could consider it. That's all I'm asking. What was that about? It seems the Morningstar are willing to pay to be getting the girls back. I can't do my thing if I got no pussy to sell. The money won't come quick, but you bet it'll come. Qu'est-ce qu'on attend? Oh là, t'as un choix à faire. Alors soit tu les amènes au QG des Sens, soit tu les amènes aux étoiles du matin. Si tu les ramènes au QG des Sens, on gagne plus de fric par eux. Donc je te conseillerais de les garder pour le coup. We will be seeing if you are as good as you claim to be. The girls are yours. Make me proud. Alors oui, mais il est où le QG? Bah voilà. Les filles ont explosé. Troisième choix secrète. What the hell were you thinking, Maddie? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decisions, not you! My bad, mate. So what happens now? Ah, we buckle down! We focus. We don't do a run-in, we hit him with a Montreal screw drop! Yeah. Yeah. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues, the time is now. We have deployed Stag to Steelport. Le Stag arrive à Steelport, c'est bien. Ouais. Les forces spéciales américaines arrivent. Mmh. Donc quel beau cadeau pour ah, tiens, mais c'est pas bon. Hein? C'est quand même étrange, revenu honoraire ville de 1000 dollars pour avoir gardé les putes, bizarrement la pute, elle ressemble à ton perso. Oh, la même coupe de cheveux et autres. C'est cocasse quand même. Voilà, la croisière s'éclate. Wow.
avant de continuer, je vais aller aux toilettes. Donc je vais me mettre dans un véhicule. J'en suis là. With the hope of an impromptu farm. Tu vas conduire. Et je vais aux toilettes. Pay attention. C'est quoi la mission? On va la lancer. How can I help you? I need your opinion on Viola De Winter. My personal opinion is that she's a useless whore. Professionally, however, she could have valuable information if she can be trusted. That's a real question, isn't it? Well, that's good timing. Hold on, Oleg. I'd like to meet if you'd be willing. Not fucking likely. I helped you hurt the Morningstar. Didn't that prove to you I'm a woman of my word? People can go a long way to be assholes. I'm tired of fighting against the Saints. Meet me, and maybe you'll realize that. Come on, Oleg. Time to find some answers. Who crashed us dummies now? Ça tombe bien, j'arrive au moment où on arrive. I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? I am always gentleman. What is that? Nothing good. Let's go. The Saints have taken cover with one of the De Winter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me once you secure the area. Yes, Commander. Ah, c'est une femme. Ouais. D'accord, je pensais que c'était un. Let's hope the front's clear. Who were those guys? Soldiers of some sort, though I don't recognize the uniforms. They are certainly not friendly. Could Kilbane have brought in help? He thinks his luchadors are unstoppable. I doubt he'd ask them to sit this out. Oh, j'ai les munitions enflammées. Dansez, mademoiselle. Dansez. Bon, dommages collatéraux, ça marche pas. C'est ce que je disais. Caro, ça va, tu danses bien? Ah.
gouvernement des États-Unis, ils ont le budget pour arrêter les gangs. Ah bon? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du jeu, on va retrouver maintenant les secrets de feu qu'on va trouver sur eux. C'est bon à savoir. Tu sens comment ça va être sur eux. Moi, je te laisse les gérer, les œufs, je les fais danser avec mes trucs enflammés. Faut que je sorte une phrase de petit. Putain, ces mecs font plus cyberpunk que cyberpunk. Non, ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est pas mal ça, tiens, je vais prendre un petit screen moi. Attention. Ah mais par contre Paro, faut pas que tu passes devant moi avec les munitions incendiaires. Hein? Je suis passé à travers, je sais pas. Ah, on doit pas attendre quelqu'un là? Non, bon, c'est dans le... Alors moi je suis passé à travers la porte et je sautais directement à la baléole de flic. Je m'excuse pas comment, mais c'est passé. J'aime pas ça, Paro. J'aime pas du tout. J'ai vu un tank. Ah, ils ont niqué ma sirène, c'est bon. Non, mais là, c'est le gouvernement, ils veulent à tout prix détruire les gangs. C'est pour ça que ça sortit de nous. J'ai. Toi, je t'ai pas vu.
J'espère que je fais pas juste une connerie, ça devrait aller. These new bastards will learn not to mess with the Saints. He's immortal, you know. Need me to take over? Putain merde. My name is Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. Excuse me, sir, one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact our daily lives? When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, that's not what I asked. Let me tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend. Jessica thought her life was pretty sweet, until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. If Jessica Parrish was your daughter, how far would you want me to go? Jessica Parrish, qui d'ailleurs, au passage, est un personnage de Saints Row 2, qui se fait justement tuer par les Saints. Ce qui donc annonce la fin du chapitre 2, et on commence donc au chapitre 3, normalement, moi, c'est le jeu. C'est qu'en fait il a parlé de Jessica Parrish qui est une femme très puissante dans Saints Row 2 et en fait elle a tellement foutu la merde chez les Saints qu'ils l'ont capturée, qu'ils l'ont mis dans le coffre de sa voiture et ils ont foutu sa voiture dans un rally trucker, tu sais, les machins où tu détruis les voitures, tu sais, avec un monster truck, tu sais. Donc ce qui fait qu'en fait son copain il l'a roulé sur sa voiture quand elle était dedans sans le savoir. Et en fait justement, Cyrus Temple, qui est donc un des antagonistes principaux de Saints Row 3, a tendance justement à beaucoup mentionner des personnages des anciens Saints Row. Au cas où, j'ai appris ça en allant sur le wiki. Parce que moi j'ai fini Saints Row 3 depuis longtemps. Hey, how's the Decker plan coming along? You can't rush these things. Running in and shooting won't work on that Miller and the Deckers. Doesn't have to be perfect, just something to get started. Ah, pas en faux, c'est toi qui roule, hein. Ah, je te Kenzie. Uh-oh, that's not good. What? What's not good? Come to Smiling Jack's. Kenzie, what's going on? I'll call Shandi, we'll meet her. See ya. Donc, ce qui fait que maintenant, les Morning Stars sont dans un état végétatif. Il reste donc les Deckers, les Luchadores et donc pour terminer le Stag. La force de sécurité anti-banque placée par le gouvernement. D'accord, il y a des fucking rollbacks, mais c'est magnifique. Ce sont donc les trois derniers antagonistes qu'on a affrontés pour finir le jeu. Parce qu'on a vaincu une faction sur les quatre. Oui, il y en a un, il s'est pris un gros truc dans la bouche. Et puis surtout que la dernière représentante des étoiles du matin a rejoint officiellement les Saints. Faut dire que voir sa sœur se faire briser la nuque par Killbane, ça donne pas trop envie de coopérer. C'est le moment où j'ai vu un gars se faire jeter de sa bagnole. What? On va prendre le véhicule d'à côté. Yep, you're screwed. You're going to get me. As if Steelport was an enemy nation, military vehicles rolled into the streets while troops deployed all over the city. This invasion of armed forces, known as the Stag Initiative, was to end the death and destruction that has plagued our streets. Je crois que c'est eux de base, ils ont remplacé le public. On a popular nightclub where the head of one such criminal organization was said to be hiding. Several people were shot and killed in the ensuing firefight, while property damage is estimated in the hundreds of thousands. Je crois qu'il peut régler ça dans les audios. This is Jane Valderrama with your Steelport safety update.
Non, 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 j'évite de regarder l'écran avec les rollbacks et la caméra qui sont en couille. Non, pas du tout. Bon, on va devoir reprendre un... Non, non, on est à côté. Ah, ces voitures de nos jours, elles sont même plus capables de supporter un embrayage, elles s'enflamment tout de suite. Oh, on aurait pu mettre notre robe. Ouais, on va à un diner américain. Bah quoi ? On va pas la salir. Pour ça. You need to see this. C'est comme aller en smoking dans un KFC. And with us live, the man responsible, Eddie Kilbane Pryor. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please call me Kilbane. Very well. Kilbane, there are some who claim you're a criminal. No, no. Jane, my dear, please. The saints are criminals. Call me eccentric, but I'm just an entertainer slash businessman slash philanthropist slash... We get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. Well, fucking disclose it! I might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers and... We're on it. Tu remarqueras que Quincy est un tailleur dans un diner. That asshole's gonna trash the Saints on air. I didn't think Kilbane would try something this subtle. De quoi? I'm sitting with a man the wrestling community has called subtil, the Walking Apocalypse. Is such a moniker intended to frighten your fans as well as your foes? Fuck him. Attacking corporations, talking about the children. This guy sounds like a bad politician. And what about those that don't share that opinion? Some may call that preying on the weak. Kinsey, what are we to do? I sent you coordinates to several radio towers. Head to the first one and let me know when you've landed. Before the break, you mentioned the kids you've helped. Yes. Kilbane's Crunch Camp. It's a two-month summer program that gets kids off the streets and into the ring. There's been some concern from parent groups. Well, that's because parents are b****. Maybe they should focus on a real threat. Et du monde sur le toit, Strong. Strong words. Kids. Why are the Deckers guarding a radio tower? Kinsey is good. She must have the whole town bugged by now. Who cares? As long as she isn't bugging my bedroom. That does not seem likely. You sure about that? She might have footage of fears, anyway, I'll talk with her. We're back with our exclusive interview. The controversy over your match against your former partner, Angel. Oh, Martin, tu viens pas? Bon, demain, on est pas. Ah ouais? Ah oui, j'avais pas vu. If Angel de la Muerte wants to come out of hiding, would you face him in a rematch? Without his mask, he's nothing. Less than nothing. The dirt under my boots gets more respect from me. To consider a rematch would mean admitting he's still worthy of my time. Let's hope he's not out there listening in. Je vais à la tour radio, tu protèges bien. We'll have more with Kilbane in just a moment. Embarrassing. What are we gonna do about that video the press has? We'll let our PR department earn their paychecks. People think we blew up a landmark. I don't think it's that easy. C'est les escaliers en polymaçon. Why pay a PR team if it's not for time? C'est pas réellement un escalier en polymaçon. Oui, bon, t'as compris. Ouais, parce qu'en colimaçon, c'est quand il est rond l'escalier. Là, il est rectangulaire. C'est encore un autre nom scientifique que ce coup-là. Ah, mais ils sont là, les gars. Maintiens la touche, ça va plus vite.
descends. There, got it. Sending the coordinates of the van. What van? A broadcasting van. It's where the signal is being sent from. Will Kilbane be inside this van? No. Use the laser signal tracker to help me find the broadcast location. Use the what? The light on the helicopter. Shine it on the van. Murder Brawl 31 is your upcoming wrestling event. Oh, ouais, les gars, on a avancé. That it is just legalized killing. Well, it's entertainment for the masses. But you admit people do get hurt. Non, non mais l'escalier c'est mort ce genre d'escalier comme ça. Occasionally a chip breaks off. Cry about it. And what of those who have died at the event? Murder Brawl isn't for the weak. Jump on a grenade and you have to expect a blast to tear you to meaty blood soaked pieces. There may be children listening. Faut les tuer ou faut faire quoi? When we come back with Kilbane, we'll take a few calls from our listeners. Tu vas me casser les couilles, c'est ça. T'inquiète, je vois, je vois. C'est quand tu m'apportes comment? Him know who he is missing. What are you gonna do? Okay, patching yourself through. Looks like we have a caller. You're on the air with Kilbane. What's your question? Listen carefully, stupid bag of shit. I'm sorry. Do you have a question for me? Do you like pain? Walking apocalypse? Perhaps this has gone just a bit too far. I'm not sure that's a question either. It sounds more like a threat. No threats, just a promise. When I'm through with you, your lover won't be able to identify your body. This looks like the place. Kill them. Quickly and just kill them. Find Kilbane. Bet that reporter knows. Let's what the? After we are done tending to these pups. Allez, je descends là, c'est pas possible. T'es passé par où? Okay, that was impressive. Ah, bah, je suis mort. Oh oui. Bonsoir. There are no challenges left. Tu m'as fait avec le choc, je t'ai éjecté, c'est ça? Oui. Je suis désolé. Find Kilbane. Bet that reporter knows. Let's ask. Non, c'est pas cette année d'exécution. C'est moi qui suis tombé à cause de l'animation, quoi. Merde. Hein? Ah non, mais c'est. Ok. Fais gaffe à ta gueule. Ouh.
it's time for shock hammer, bitch. Impressive. Faut aller où maintenant? Shit. Attention que je t'éjecte pas quand même. It's been a while. You look good. I want Killbane. He mentioned heading north. You're not after me about the interview, are you? Back to the helicopter. We are finishing this now. Let's put a bullet in that son of a bitch. Ouais. Allez, Pharo. I'm bringing you into position. Just keep it steady so I can shot. Make me proud, Shelby. Ah bon, je l'ai pas vu. Allez, casse-couille. Ah, elle est tombée. Elle nous a perdu du temps, la connasse. Bon, allez, je te le laisse. Ok, on a perdu. Là, il y a le temps de chargement. Gotcha. Damn it! What did you do? What did I do? I don't fucking know! Learn to fucking fly! Ah oui, ce fameux moment. You all right? I had him! I know, it's not your fault. Je ce fameux moment qui me fait pisser de rire à chaque fois. Shit. Putain de merde. Quel cœur. Non, en fait, les flics ont été remplacés par les... Par la sécu, en fait. Qui te fait dire ça? Parce qu'eux, ils sont en train de se balader. Ben non, il y a aussi quelques flics, mais ils sont très rares. De toute façon, Pharo, à mettre ton cul. Alors, la dernière mission. Cours d'informatique. Dernière mission de la soirée. Kinsey, where you at? Why do you need to know? After that chopper thing, I'd like to get those fucking Deckers. I've been busy. If it gets us to the Deckers, busy is good. It does. All right, then what's next? Well, next. Anytime now. Come to my place. What's the problem? You afraid I won't like the plan? No. Then what? I've never allowed anyone in my inner sanctum before. Inner sanctum. My sacred private room. Wow. Voyons voir un truc. Allez.
Should we get the steering checked? I win again. Having some trouble? You can hit the light. It's homie. I don't see a bed. Sleep is forbidden. What the fuck did the Deckers do to the chopper? Matt must have hacked into its flight computer and fried it with an EMP. You can do that? You can do a lot worse. If Matt gets the Decker Usenet plugged into its central power grid, it's... Trust me. It's bad. So how do we nail the Deckers? If I could worm into their mainframe, I'd do all sorts of things. But I don't have the gear for that. What would you need? Something like this. That's one of the most powerful learning computers in North America. And Stag's got one. Thanks for the tip, Agent Kensington. Ah, damn it! Wait, that punk kid is Matt? That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers! His people are probably halfway to the computer by now. Go! D'ailleurs, la photo qu'il a prise, Pierce, c'est Lynn, qui est donc une Sense d'origine chinoise qui meurt dans Sense Row 1. Il me semble que justement Pierce avait un crush sur elle. Voilà. Keeping this computer, Kenzie. At the Stag PR Center. Hurry. Oh. Bon, Pierre, c'était chiant à... à tirer partout, là. C'est un noir, il s'est fait la gueule. Blague raciste. Ah ouais, on est là. Mais pourquoi il tire comme ça alors qu'on lui a rien demandé? C'est ça le truc. The helicopter went down and he took the credit. That sounds like you lost to me. There will be a rematch. Cast your bets now. Va au centre RP des stacks. Donc en fait, on va attaquer un JDR. What the fuck are you doing? Allez, relaxe. Ah, pas ça. Ouais. Not possible, Kinsey. This time you have the Saints behind you. Perhaps a little. She may be eccentric, but at least she is sane. You sure she still is? Hey, les gars, calmez-vous dans la circulation, merci. Ah, c'est le maxi best of bordel, c'est ça? Cop déconnecté. Hein? Quoi? Cop. Je sais pas. Tu as été déconnecté par l'autre. Ah. J'étais en train de me dire pourquoi il bougeait plus. Mais attends, je te réinvite. Une erreur de connexion est survenue, mais c'est scandaleux. Ah, mais je demande un remboursement.
tirer. Ah, et puis vu que j'ai fait ne pas déranger, je sais jamais quand tu m'envoies. Je t'ai invité, allez. J'utilise la technique du petit vampire de me mettre en ne pas déranger. Tu as quitté l'émission pour. C'est une blague. Bon, t'as rejoint la partie pour le coup. Quincy. Tiens, Quincy. You can hit the light. Ouais, je vois ce qu'on va dire. En espérant que la coup elle tienne, c'est bien. Eyes on the road. Et pourquoi il attaque tous les points rouges? J'en ai marre. Ah mais c'est peut-être parce qu'on se fait attaquer en fait. J'avais pas remarqué. C'est peut-être parce qu'on a les petits hémos au cul en fait. Les petits hémorroïdes. Ça. Je les ai fait comme ça. Aïe. Allez, rentre ta tête. Smith. Ouais, non, c'était un peu la bad. C'était un peu une idée de merde là pour le coup. Non, c'est bon. Pharaoh qui va conduire. Pharaoh, pourquoi tu es dans la voiture? Tu rentres? J'ai pris un screen, tu verras. T'as par contre la deuxième mission. Enfin, je veux dire, la deuxième vidéo, là, c'est qu'on va bientôt terminer. L'heure, elle est passée, mais d'une vitesse. M'étonne. Vraiment à la première. Je devrais aller. De toute façon, on finit cette mission, puis on stop le sales propulsion. Comme tu m'as dit avant. Ouais. Déjà que ça va bouger, ça va bouger, ça va. Mieux. Allez, écoute, j'ai pas mieux. Oui, je conduis mieux que toi, Fabien. Oui. C'est pas de ma faute. Non, à peine. Bien, viens là, toi. Merci. Hier, c'est ton sgeg, ramène-le. Putain. Allez. C'est moi ou c'est juste le jeu qui s'est le plus éclaté pour le. Je crois que c'est le jeu où on a le plus pété de rire pour le moment. Shit, looks like the Decker started the park. True, but that doesn't mean it will enjoy the end of it. La connasse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette mission est complètement bugée? Ouais, je me prends une déco chaque fois qu'on arrive à ce moment-là. Bon, on va devoir s'arrêter là, hein. Ouais, on essaiera. On essaiera une prochaine fois. Parce que là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est la mission qui est buggée ou autre? Bah, on verra ça. On verra ça une autre fois, quoi.
Yes. Ouais, par contre, parce que si c'est pour recommencer une troisième fois pour que ça bug, ça vaut pas la peine. Allez, on se dit à la prochaine.